Oh,
Jésus-Christ vous sera pleinement accordé.
Nous prenons Hébreux chapitre 11. Nous Hébreux chapitre 11. Prenons le verset 10 d'abord. Le verset 37. Et nous allons entrer là jusqu'au chapitre 11. On dit encore un peu de temps. Encore un peu. Et un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et nous avons une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et nous avons une démonstration. Pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Le verset 5. C'est par la foi que Enoch fit enlever pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il n'est paru et il n'est paru plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est à sans la foi, ce qui n'a pas la condima, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Zacharie chapitre 3, le verset 9. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept dieux sur cette seule pierre. Et Ezali na miso sambo na kati na ibanga moko wana. Voici. Tala, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Nakoleka, nakokoma, oesengeli ngai nakoma. Dit l'Éternel des armées. Oyelobi yawe na bibele. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Nakolongola, mate ya mboka oyo na mokolo moko. Que le Seigneur bénisse les écritures que nous venons de lire. Nakolo atambola matanyo kuti ta. Que le Seigneur bénisse aussi tout un chacun de nous. Parce qu'on avait dit que nous ne sommes pas des prédicateurs. Ça, c'est encore un trait.
Nous ne sommes pas des prédicateurs. Puisque vous allez bâtir bien. Le véritable enseignant, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui connaît les soucis des âmes. C'est lui qui nous a même confié aujourd'hui pour qu'il puisse nous parler. Parce que toutes les fêtes étaient en l'honneur de l'Éternel. Amen. Ah. Nous poursuivons dans notre enseignement. Ce que nous poursuivons dans notre enseignement, c'est la connaissance des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Et l'application de ces choses-là. Parce que si ces choses-là ne sont pas connues, et ne sont pas appliqués, alors il n'y a pas le ciel. Ça peut paraître difficile, mais ce sont des choses sanitaires. Amen. 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 Ah. Ça peut paraître difficile. Mais ce sont des choses sanitaires. Si tu les connais et que tu les gardes telles qu'elles sont, et cela tournera à ton salut. C'est ça vraiment le but que nous poursuivons. Amen. Ah. Tu peux voir que c'est difficile. Ou bien les choses que nous prêchons fait en sorte que nous soyons vraiment séparés de beaucoup de gens. Fait en sorte que ces choses-là font en sorte que qu'on soit séparé de beaucoup de gens et que nous sommes atypiques des autres personnes, des autres églises. Et que cela ne puisse pas t'étonner. Parce que Jésus-Christ lui-même avait dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est refroidira. Amen. Amen. L'amour Bolingo du plus grand nombre se refroidira. L'amour, c'est garder les commandements. Amen. Amen. Mais quand on dit que l'amour se refroidira, cela veut dire que les plus grands nombres vont abandonner la crainte de Dieu. Les plus grands nombres vont abandonner les choses conformes à la sainte doctrine. C'est pourquoi même Paul, il a dit que dans les derniers temps, beaucoup de gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Nous ne les prêchons pas parce que nous, même nous sommes capables de les mettre en pratique. Mais nous les prêchons parce que c'est la parole de Dieu. Ah. Nous les prêchons parce que c'est ça
ça la voie du salut. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Il vous donne aussi la force de mettre ces choses en pratique. Cherchez un bon mien. Veuillez nous excuser pour ces désagréments. J'ai dit la fois passée, on parlait déjà de la foi. Et on avait dit que la foi c'est comme la pierre. Parce que sans la foi, nous ne sommes pas non plus dans les choses de Dieu. Être dans les choses de Dieu ou avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la foi. Parce que Christ habite dans les cœurs des croyants par la foi. Nous allons lire l'écriture d'Éphésiens. Le verset 16. Éphésiens chapitre 3, le verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ici nous comprenons que le Christ habite dans les cœurs des croyants par la foi. Cela veut dire quand tu crois au Seigneur, il vient dans ta vie, c'est par la foi. Et c'est ça même le temps dans lequel nous sommes. C'est le temps et la foi. Et tango ya kondima. On avait dit ceci. Tobaki boy. Du temps de la loi. Na tango ya mobeko. Le peuple n'avait pas la foi. Libota bazalaki na kondima te. Le peuple était incrédule. Libota bazalaki bitema ekenze. Le peuple ne pouvait pas obéir à Dieu comme Dieu l'entendait d'eux. Libota bakobaki na koto sans amende ndenge na baba na koze epai na bango. Ces temps ici, Kasinatango, le Seigneur nous a fait les dons et la foi. Kolo asalibiso di kabo ya kondima. Et la foi de kondima a ses œuvres. Et zalaka na misala na yango. Et c'est ce que nous sommes en train de prêcher. Yango nde oyo biso tozala kote. Est-ce qu'il n'y a pas un autre micro? Parce que je me sens, c'est comme s'il est en train de me tirer. Le micro, un autre micro pour les traducteurs. Je disais, Christ habite dans nos cœurs par la foi. Amen. Ah, je dis, et puis dans les temps de la loi, le peuple n'avait pas la foi. Le peuple était toujours incrédule. C'est en ces temps que Dieu nous a fait ces dons-là de la foi.
combat. C'est pourquoi j'avais pris l'exemple de Jéricho. Du temps du prophète Élisée. Vous allez remarquer là-bas, la ville avait un bon séjour. Il y avait un bon séjour. Mais il y avait la stérilité et la mort qui provenait des eaux. Donc les peuples étaient stériles, les champs étaient stériles. Mais il y avait aussi la mort. Et tout ça provenait des eaux de la ville. Cette situation-là, c'est vraiment l'étape de l'ancienne alliance. Et cela s'est passé à Jéricho. Jéricho, on l'appelle la ville des palmiers. Jéricho, amen. La ville des palmiers. Or, dans la Bible, nous savons. Justes. Or, du temps de la loi, les justes n'étaient que les enfants d'Israël. Parce que Dieu leur avait donné la loi. Dieu leur avait donné la parole. Dieu leur avait donné son alliance à lui. Et étant détenteur de toutes ces choses-là, ils étaient vus comme des justes. Donc Israël était comme Jéricho. Mais lorsque le prophète arrive, il y a des gens qui l'accueillent en disant, les séjours dans les pays des morts. Mais les problèmes, c'est les eaux. Les eaux donnent la mort. Les eaux donnent la stérilité. Et les prophètes, qu'est-ce qu'il fera? Il va assainir les eaux. Pour ôter la mort et enlever aussi la stérilité. Lorsque les eaux sont assainies, ce n'est plus le temps de la loi, mais là c'est le temps de la grâce. Amen. Parce que les eaux ont été assainies. Les eaux ont été assainies pour que les champs ou les hommes deviennent productifs. Mais lorsque vous arrivez là où il y a ces
bois. Il a indiqué un bois. On a pris le bois. On l'a coupé. Et on l'a aspergé, on l'a submergé dans l'eau. Et le bois a absorbé toute l'amertume de l'eau. Amen. Ah. Parce que le plat neuf, c'est tout un corps. Donc, en descendant, il y a six cas, il y a une tente au bimba. On dit plat neuf. Ça veut dire le corps qui n'a jamais été utilisé. Et David, nous avons un petit. Parce qu'il sait qu'avec la foi,
aussi. Amen. Ah. Tu vas hériter le royaume. C'est ça même la plus grande richesse qu'un croyant peut se glorifier. Parce que le frère Paul ou Pierre dit ceci. Il dit, alors, puisque vous obtiendrez le salut au prix de votre foi. Le salut. L'obiko. On dit au prix de votre foi. Et que nambano ya onimanabino. Donc talon yo coupé ça pour obika et pas la zambé. Ce n'est pas des parcelles. Et n'arrive pas ma côté. C'est la foi. Et n'arrive pas de c'est pourquoi j'ai dit. Yamona zoroba. Quand Dieu veut t'enrichir. Ça dit d'abord il faut fou qui ça yo. Va te donner la foi. A coupé ça yo de onima. C'est pourquoi on dit l'honneur est pour vous qui croyez. Le Seigneur vous voit des honorables. On dit ceci. On dit souvenez-vous de Jésus-Christ. Lui des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre. Pour vous enrichir. Amen. On dit Jésus était riche. Il s'est appauvri, mais pour t'enrichir, toi. Amen. Riche, c'est ça sa position de gloire. Mais quand il t'a vu pauvre, dans l'incrédulité, dans le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné la gloire. Il s'est dépouillé. Pour te donner la foi, pour te donner la vie de Dieu, pour t'enrichir, pour pourquoi Paul disait, dans la vie, il dit, quoi que pauvre, nous enrichissons plusieurs. Amen. La richesse dont il donnait aux gens. La foi en Dieu. C'était un trésor. Dans la Bible, on l'appelle de l'or. Pour être riche. Dans les langages aussi bibliques. Tu dois avoir aussi de l'or. Et Dieu. Et que par les gars, il n'a pas besoin d'être libre pour y avoir.
Amen. C'est ça que toi aussi tu dois poursuivre dans ta vie. Si réellement tu as la foi, les témoignages favorables, tu dois être là. Donc tu dois être là et te poser la question. Et oui, que j'ai la foi, quels sont mes exploits dans ces choses? C'est comme ça que c'est raison. Parce que ces choses sont réelles. On ne vient pas parler ici en vain. Non. Parce que la promesse d'entrer dans les repos subsiste. Parce qu'on a dit, gens qui avaient la foi avant nous, ils ont obtenu un témoignage favorable. Je vous ai dit, frère, dans la foi, il y a des saluts. Ou même le prix du salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Christ. On dit, Enoch aussi avait la foi. Et après, il vit enlever. Amen. Il vit enlever. Il ne fut pas enlevé sans la foi. Cela veut dire que sans la foi, il n'y a pas d'enlèvement pour l'église. Amen. Sans la foi, il n'y a pas d'enlèvement pour l'église. Parce qu'on nous montre déjà un de ceux qui avaient la foi. Il fut enlevé. Et donc là, c'est aussi nous. Parce que nous avons aussi la foi. On doit être enlevé. Si nous avons la foi, ce n'est pas en vain que Paul le disait. Parce qu'il exhortait à ne pas abandonner la foi quand on dit Enoch, âgé de 65 ans, marcha avec Dieu pendant 300 ans. Là, c'est dans Genèse 5. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Après, Dieu le prie pour qu'il ne voie pas la mort. Donc, dans sa vie de tous les jours, cet homme-là avait la foi. Mais sa foi ne l'avait pas laissé comme ça. On dit avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il était agréable. Celle qui marche avec Dieu dans la foi, il doit veiller sur les témoignages. Les témoignages de sa foi. Les choses de Dieu sans témoignage sont nulles. J'ai toujours dit ça. Les choses de Dieu. Visible. Amen.
Amen. Ah. Il a créé les grosses eaux. Quand tu regardes les grosses eaux, ça témoigne que Dieu est puissant. Quand tu regardes les cieux, comment est-ce que les cieux sont illimités? Ça te donne la pensée que Dieu est infiniment grand. Tu regardes comment est-ce que les arbres nous produisent de la nourriture. Là, tu témoignes vraiment la bonté de Dieu. Comment est-ce que c'est un arbre qui donne de la nourriture aux gens? Que les gens voient. C'est pourquoi j'ai dit, les choses de Dieu, c'est les témoignages. Une fois sans témoignage, c'est nul. C'est pourquoi les frères Jacques aussi disaient de son côté. Et lui répond, montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Il dit la foi sans les œuvres. C'est il un corps qui est mort, qui est sans âme. C'est pourquoi je dis que quand on a la foi, il faut avoir les témoignages de Dieu. Et dans le cadre de notre enseignement, les témoignages de Dieu à recevoir, les témoignages qu'on doit recevoir de toi. C'est les sept choses là qui naissent de la foi. Amen. Les sept choses là qui naissent de la foi. La vertu, la connaissance, jusqu'à l'amour. Jusqu'à l'amour. Si tu n'as pas ces choses là, tu n'as pas la foi. Parce que la foi, c'est un grain. C'est quelque chose de parfait. Maintenant, ça doit manifester aussi cette chose qui représente la perfection. Et c'est ce que nous enseignons. Et avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et non que là, c'est l'église de Dieu. Les croyants qui ont la foi, qui doivent être enlevés, mais au préalable, ils doivent manifester les sept dieux ou les sept choses là de la foi. S'il n'y en a pas, ce qui est il n'y a pas d'enlèvement. Cela veut dire que le fruit n'a pas mûri. Le fruit n'est pas venu à maturité. Alors pour toi, il n'y a pas la gloire. Alors pour toi, il n'y a pas l'honneur à tes devoirs. Amen. Ah, c'est pourquoi dans la dynamique, tu dois savoir que ta foi doit manifester les œuvres. Efforcez-vous. Vous faites de tous vos efforts. À joindre à votre foi la vertu. J'avais dit, on n'a pas dû ajouter à telle la foi. Non. Non, on n'ajoute pas la foi. Ah, la foi est déjà là. Comme les grains. Comme la semence. Maintenant, toi, tu dois ajouter ça. Donc, tu dois faire en sorte que ta foi
Gogota. Sinon, tu n'entreras pas dans le royaume. C'est comme là-bas chez Enoch. Le roi la coup n'est pas une Enoch. On a dit qu'il fit t'enlever. Ce n'était pas en un seul jour. Ou deux jours. Non. L'Écriture nous précise que 300 ans. L'Écriture est un peu sa vie. Il a fâché avec Dieu pendant 300 ans. Dans tous les jours de sa vie, il avait une vie de foi. Et sa foi produisait des fruits qui faisaient qu'il soit agréable à Dieu. Et à la fin du parcours, il fut jugé digne du royaume. J'ai dit, un autre là, c'est aussi l'église de Dieu. Il fut un prophète. Un autre fut un prophète. Il prophétisait sur les jugements. Mais lui-même n'était pas encore enlevé. Un autre là était le septième depuis Adam. Donc à partir d'Adam, jusqu'à lui, non, il était le septième. Et il fut enlevé. Mais avant qu'il ne soit enlevé, il a engendré un fils qui a vécu beaucoup d'années sur la terre, plus que tout le monde. Amen. Amen. Il a engendré qu'il me touchait là. C'est ça? Il a dit à me toucher là. Me toucher là. Me toucher là. Tout ce me toucher là. Tout me toucher là. C'était seulement l'image de la vie qu'il avait manifestée. Et dans le cas d'Élie, il y a un bon mot. Le témoignage de Noé. Et que l'état de lui est Noé. Parce qu'on dit celui qui a le fils à la vie. Le fils, c'est la vie. Comme son fils a vécu beaucoup d'années sur la terre, plus que tout le monde, cela veut dire qu'il avait manifesté une vie au-dessus de toute vie. Amen. La foi ne peut pas laisser des gens pour
de la parole. Oh, parce que dans mon lèvre de Dieu, non, ça n'existe pas. Et dans la carte, quand on a la foi, ça peut être un on a manifesté les ailes de la parole. Et c'est même quand on lit ça, mon lèvre de Dieu, quoi que nous allons voir ça. Attends, tu comprends rien, go. Mais ça pourrait en parler. Nathan a parlé de la voix à vous. Les ailes de la parole. Et que mon lèvre de Dieu, l'oba. Quelqu'un qui a la foi ne peut pas s'absenter au culte. Les gens qui avaient la foi faisaient passer Dieu au premier plan. Les gens qui avaient la foi, ils aimaient Dieu plus que tout. Ils possédaient même qu'on puisse leur avoir tous leurs biens. Mais et la foi, plus la garde. C'est ça la foi. C'est ce que ça fait dans la vie. Quelqu'un qui a la foi ne peut pas négliger les choses de Dieu. C'est pourquoi Pierre dit, tu dois chercher que cette chose-là puisse se manifester en toi. Parce que cela fera que tu ne puisses pas demeurer oisif. Oisif. Paresseux. Il ne travaille pas pour avoir du fruit. Vous voyez, on dit oisif. Oisif, ça vient du mot oua. Et l'oua, c'est le canard sauvage. Hein? Les canards sauvages. On a pris ce terme là pour expliquer l'attitude des canards qui sont très fragiles. Non, les canards sont très fragiles de nature. Donc ça a le sens de la paresse. C'est pourquoi les Français ont utilisé ce terme-là pour parler de oisif. Pour montrer que tu es fragile, tu n'es pas solide. On dit stérile. Donc si tu ne travailles pas pour ce jeu-là, tu seras stérile. Alors nous ne sommes pas dans les temps de demeurer stérile. Parce que nous sommes dans la grâce de Dieu. Nous sommes dans la foi dans le pays de Dieu. Le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, et dans le pays que vous entrerez, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Dans le pays, Jésus-Christ. Et le pays avant la traversée du Jourdain, c'est comme la loi. Là-bas, on peut comprendre que tu sois encore stérile. Dans le monde, on peut comprendre que tu ne manifestes pas encore la vie de Dieu. Que tu ne puisses pas manifester la vie de Dieu. Mais quand tu viens en Jésus-Christ, l'écriture s'accomplit dans ta vie, dans le pays où vous entrerez, il n'y aura pas ni femme stérile, ni celle qui avorte. C'est la parole de Dieu, frère. Dans la foi, dans la grâce, tu dois produire des fruits. Et Seigneur, lui, on peut être total, ça va mouvement. Et le premier fruit qui est recommandé, la vertu. C'est quoi la vertu? On va parler de la vertu. C'est quelque chose qui est négligé, mais c'est très important. Et d'aller là, comment on va te voir la on parle des valeurs. La grâce
c'est Jésus. L'enseignement de Jésus-Christ ne prêche pas des antivaleurs. Des antivaleurs. L'enseignement de Jésus ne prêche pas des antivaleurs. Si tu as raté des valeurs là-bas dans le monde, quand tu viens en Jésus-Christ, le Seigneur, tu trouves grâce de venir en Jésus-Christ. Le Seigneur va te redonner. Tu vas retrouver où tu vas retrouver les choses que tu as perdues là-bas. Amen. Les valeurs. On va voir ça bien prochainement. Mais j'aimerais lire une écriture. Philippiens chapitre 4, le verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, le verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Au reste, frère, n'oubliez pas les bandeaux, c'est les frères et les sœurs. Hein? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, tout ce qui a la vertu en lui, est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Est-ce que vous avez compris? Je reprends la lecture. Soyez attentifs. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. C'est pourquoi j'ai dit la doctrine de Jésus prêche les valeurs. Vous allez les remarquer dans les Écritures. On utilise les termes comme bienséance. Non. Bienséance. L'olégui à malamou, y'a kozala. Malséance, l'olégui à ma paix. Ce sont les langages de la vertu. Amen. Ce sont les langages de la vertu. C'est pourquoi nous refusons certaines choses. Les jours du mariage, par exemple. Les mariés viennent ici devant nous. Ôtez d'abord le voile de la mariée. On enlève le voile. Les pasteurs posent la question. Est-ce que c'est elle? Depuis qu'il venait là-bas dans les bus, dans les transports, dans la voiture. En venant ici,
awa. Maintenant, comment je vais lui poser, est-ce que vérifie d'abord c'est elle. Oh, talanano, est-ce que les alliés t'ont-ils? C'est la malséance. On va encore plus loin. Embrasser la mariée. Oh, yambaye. Non, yambaye, t'es épaisse. Maintenant, il peut plus. Je ne dis pas dans ce sens-là. De donner les baisers. Et on a dit c'est un spectacle très sale. Hein? Et puis nous on acclame, ouais! Dans d'autres églises, même on crie baisers. C'est la malséance. Ce ne sont pas des choses propres. Toi-même, tel que tu es là. J'ai dit toi-même, tel que tu es là, tu es capable de suivre la télé avec ton enfant. Tu es incapable de suivre la télé avec ton enfant. À voir les gens en train de s'embrasser à la télé. Tu vas vite chercher la télécommande pour que tu puisses enlever ça. Mais tu acceptes ça dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Toi, tu n'acceptes pas ça chez toi. Mais tu veux accepter ça dans l'église de Dieu. Ce sont des choses copiées de l'extérieur. La vertu. Voilà. On va voir un grand papa. Mais il marche torse nu, c'est mon passé. Déjà vu.
que les gens vont saboter ça, la vertu. J'ai dit dans la vertu, ce sont des choses de valeur. Vous voyez un autre aspect de la vertu. On a témoigné à Ruth qu'elle était une femme vertueuse. On dit pourquoi? On dit parce qu'elle s'était attachée à Naomi. Malgré les instances de la laisser de retourner vers ses parents. Jésus-Christ. Yahweh, mon Dieu, mon roi.
Yahvé mon Dieu, mon roi, c'est pas les retrouver oisifs. Pour ne pas les retrouver manquant les nécessaires. Oh Dieu, Soukani Sokolo, Soukana Ekolo, je prie au Père de toi, Seigneur. La canalité à eux. Nous allons ajouter dans la foi la vertu. Nous sommes ensemble. Yélisa était, nous sommes.